Le jeu du bâton est un art traditionnel portugais de combat avec bâton, dont l'origine technique remonte au maniement des armes médiévales utilisées en Europe au Moyen Âge. Cette affirmation se base sur la description de la technique du maniement de l'épée et du combat contre plusieurs adversaires réalisée par le roi Don Duarte dans son livre « A arte de bem cavalgar en toda sela » qui fut représenté fidèlement, ce qui est aujourd'hui encore exécuté dans le jeu de bâton portugais. Cette technique atteint son plus grand développement fin du 19e, début du 20e siècle, principalement dans les régions rurales du nord du Portugal, où il était utilisé à des fins belligérantes dans les combats entre villages voisins ou lors d'affrontements personnels dans le cadre de la vie quotidienne. Le bâton était en effet l'inséparable compagnon des jeunes gens et des bergers, car il permettait de soulager le poids du corps lors de longues marches, de traverser les rivières et de protéger le bétail des loups. Le développement technique du jeu du bâton portugais eut entièrement lieu dans le pays et ne reçut pas d'influence étrangère. Ce que confirme maître Federico Hopfer dans son livre « Deux mots à propos du jeu de bâton » lorsqu'il dit que parmi toutes les activités physiques pratiquées au Portugal, celle-là est certainement la plus authentiquement portugaise. Un fait qui l'a amené à faire partie du patrimoine culturel national. En plus d'être enseigné dans sa plus pure essence comme art martial portugais, le jeu de bâton possède aujourd'hui également une forme ludique sportive et compétitive avec des équipes au niveau national. Il est en outre utilisé dans divers spectacles du fait de sa beauté plastique proche de la chorégraphie. Le peuple portugais a toujours eu un grand esprit aventurier. Dans le jeu de bâton portugais, également d'innombrables joueurs sont devenus célèbres grâce à de hauts faits au cours des célèbres joutes des foires. Comme ces joutes provoquaient de grands dommages à ceux qui les organisaient, la police interdit aux citoyens d'entrer dans les foires avec leurs bâtons. C'est alors que les joueurs, varredores de foires, se mirent à utiliser les cannes, affirmant qu'ils en avaient besoin pour marcher. Ils réalisèrent une adaptation technique du nouvel instrument qu'ils maniaient d'une seule main et continuèrent de monter les joutes auxquelles tous étaient habitués. De cette façon, bien que la première fonction du jeu de bâton portugais fût toujours celle de servir leurs pratiquants du point de vue de la self-défense, il fut maintenu, parallèlement à l'entraînement et au perfectionnement du combat avec bâton, un aspect complémentaire de l'entraînement avec un objet plus petit, manipulé avec une seule main et qu'on appelle de nos jours canne de combat et self-défense. Le jeu de bâton portugais est une activité psychosportive qui appartient à la classe des sports individuels et parmi ceux-ci, aux sports de combat. Étant donné les innombrables barrières géographiques et culturelles, diverses formes de combat avec bâton se sont développées dans le monde. Au championnat mondial réalisé en France et auquel participa un éventail de différentes techniques de combat avec bâton, entre autres les techniques orientales bien connues, le jeu de bâton portugais fut consacré champion du monde invaincu. Dans le jeu de bâton, une des extrémités du bâton est utilisée pour la saisie, à une ou deux mains, tandis que l'autre est utilisée pour exécuter tant les défenses que les attaques, ce qui permet de profiter de toute la longueur et portée du bâton. Dans ce style, existe l'aspect du combat contre un adversaire ou du combat contre plusieurs adversaires, en infériorité numérique. L'objectif du combat est de porter des coups qui atteignent le ou les adversaires et de se défendre dès lors au moyen de l'exécution de garde, d'esquive ou des deux simultanément. Dans le bâton contre plusieurs adversaires, le pratiquant du jeu de bâton portugais essaie d'attaquer continuellement, en déplacement permanent, de manière à attaquer les adversaires tout en se défendant simultanément des coups assénés par ceux-ci. Les compétitions sportives se centrent sur le combat à 1 contre 1 et il est permis de toucher l'adversaire à n'importe quelle partie du corps. On reçoit un point pour chaque coup qui atteint l'adversaire. Les combats ont lieu sur une aire de 8 mètres de diamètre. Ils comportent 3 assauts d'une minute de temps utile avec des intervalles de 30 secondes. La victoire est attribuée au compétiteur qui a obtenu le plus de points à la fin du temps de combat.
à partir d'au moins 2 points d'avantage sur l'adversaire. Le combat est dirigé par un juge-arbitre, 4 juges de ponctuation et un juge de zone, responsable d'indiquer si l'un des compétiteurs sort de la zone de combat. La technique du jeu de bâton portugais se caractérise fondamentalement par l'exécution d'attaques utilisant la rotation du bâton, exécutée en un seul temps et à grande vitesse, de défense où l'on secoue l'attaque de l'adversaire et d'une technique de déplacement complexe et exigeante. Dans les attaques en rotation qui sont réalisées dans le jeu de bâton portugais, les coups dans lesquels le bâton décrit une trajectoire descendante sont appelés attaques en biais. Les coups dans lesquels le bâton décrit une trajectoire ascendante sont appelés attaques dressées. Et enfin, ceux dans lesquels le bâton décrit une trajectoire horizontale, parallèle au sol, sont appelés attaques rondes. Toutes ces attaques, qui englobent la rotation du bâton, peuvent être exécutées à gauche ou à droite de l'attaquant, ainsi qu'à différentes hauteurs, afin d'atteindre l'adversaire à la tête, au cou, au côté ou au membre supérieur ou inférieur. Exceptionnellement, nous réalisons aussi des attaques dites pointées où le bâton est dirigé directement sur l'adversaire, sans rotation, avec la partie antérieure du bâton, afin de l'atteindre à la poitrine ou à la joue. Les défenses de base du jeu de bâton portugais ont pour caractéristique d'essayer de contrer activement les coups de l'adversaire en les secouant, au lieu de se contenter de le freiner, ce qui permet de faire perdre le contrôle de son bâton à l'adversaire et d'appliquer une attaque sans que ce dernier ne parvienne à se défendre. Dans la technique avancée, nous recourons à d'autres solutions telles que les gardes souples où nous tirons parti de la force de l'attaque de l'adversaire dans notre contre-attaque. Les gardes avancées, où le défenseur s'approche de l'adversaire en entrant en dessous du coup porté par celui-ci, et le coupe, où l'on contre-attaque au moyen d'une esquive de son attaque. Dans le combat en infériorité numérique, où l'on a principalement recours aux attaques en biais, on apprend des comportements tactiques d'attaque continue avec déplacement permanent afin de maintenir les adversaires à distance. Les contenus de ce type de combat diffèrent suivant le contexte dans lequel ils ont lieu, nombre d'adversaires et angle de positionnement. Nous allons vous présenter le Jogo do Pau, le jeu de bâton portugais. Le jeu de bâton portugais n'est pas à proprement parler un jeu comme l'indique son nom, c'est une technique de combat. En ce moment, on le considère comme le seul art martial portugais existant, ce qui reste du passé et qui vit encore. Le Jogo do Pau portugais a pour ancêtre la technique des armes médiévales qui existait au Portugal du XIe siècle jusqu'au milieu du XVe siècle. Toutes les techniques du Jogo do Pau portugais sont exactement les mêmes que celles utilisées par les chevaliers médiévaux avec toutes les armes. Par exemple, l'épée longue utilisée avec une main ou avec les deux.
Dans le livre du roi Don Duarte, au XVe siècle, on explique le travail à une épée qui est réalisé avec une ou deux mains et utilise exactement les mêmes noms pour les attaques et les défenses, ainsi que les mêmes tactiques pour affronter un ou plusieurs adversaires que celles qui sont utilisées aujourd'hui dans le jeu de bâton portugais. Nous allons d'abord faire une introduction à la technique de base du jeu de bâton. Le jeu de bâton portugais se caractérise par l'utilisation d'un bâton traditionnel de 1,55 m. Anciennement, ce bâton pouvait avoir deux tailles, mais la taille officielle de la fédération, le bâton typique, le bâton d'entraînement est de 1,55 m. Le bâton caractéristique est plus gros à l'une de ses extrémités. Celle qui frappe est plus grosse, tandis que l'extrémité que l'on saisit est plus fine. Nous allons voir les détails et les caractéristiques techniques du jeu. Voici la garde d'attente. C'est la garde d'attente principale, la garde numéro 1, la plus utilisée au combat. Dans la garde d'attente, regardez la distance entre les mains dans la saisie. Comme je l'ai dit, il se saisit par son extrémité la plus fine. La distance entre les mains dans la saisie est normalement égale à la largeur des épaules. C'est comme ça parce que le jeu de bâton essaie de profiter au maximum de la longueur pour l'attaque. On le saisit presque par la pointe, car il faut profiter au maximum de la longueur du bâton. La position utilisée est semblable à celle qui est utilisée dans certains arts martiaux, par exemple en karaté, où le poids repose plus sur la jambe avant. Normalement, c'est une position basse. Nous considérons que les positions de base sont plus faciles pour le combat. Elles offrent plus d'avantages au combat. Dans le jeu de bâton portugais, la plupart des pancadas, des coups, sont réalisés en pivot. Exactement comme on faisait au Moyen-Âge, parce que les armes étaient très lourdes. Pour lever l'arme ainsi, il fallait une très grande force de bras. Pour éviter cela, et pour que l'attaque soit plus rapide, on utilise le pivot. Ce pivot imprime de la force au coup. La force doit provenir non pas de la force musculaire, mais de la vitesse. Plus rapide est l'attaque, plus grande sera la force de cette attaque. Pour que cette attaque possède force et puissance, en plus de la vitesse, on utilise le travail du bassin. La force de l'attaque ne provient pas de la force musculaire, mais du travail du bassin. Je vais expliquer maintenant la base des défenses. Contre cette attaque, la défense la plus sûre est la défense dite dure, où l'on secoue le bâton. Mostra.
Ce type de défense va permettre également une contre-attaque rapide et efficace. Un deuxième type de défense que l'on utilise ressemble à une défense que l'on trouve aussi dans certains arts martiaux orientaux. Elle s'effectue en utilisant, à notre profit, la force de l'attaque de l'adversaire pour notre contre-attaque. Un autre type de défense que nous pouvons utiliser avec le même type de garde est la défense rentrée. On entre dans le champ de l'adversaire où ce dernier se trouve plus facilement à la merci de notre attaque. Nous allons maintenant montrer une forme de défense pour cette attaque. Nous n'aurons pas le temps de faire ceci pour toutes les attaques. Mais j'aimerais vous donner au moins une idée de ce que l'on peut faire, car ce que nous faisons maintenant pour cette attaque peut être fait pour toutes celles-ci. Nous allons exécuter une défense où réalise la contre-attaque sans utiliser une garde avec notre bâton. Elle sera réalisée au moyen d'une esquive suivie d'une attaque rapide. Le jeu de bâton portugais est en lui-même un combat en distance. Si nous rompons cette distance, nous passons à un combat au corps à corps. Et un joueur de bâton portugais n'y a aucun intérêt à s'approcher de cette manière de l'adversaire. L'une des erreurs fréquentes dans le jogo do pau est d'avancer le corps avant le bâton. Voyons cela. Nous allons maintenant montrer la progression jusqu'au combat réel, suivi du mouvement du combat réel.
L'idée ici n'est pas celle de défense-attaque. Il s'agit d'essayer de contre-attaquer immédiatement après une défense.
Nous allons faire une démonstration assise des défenses. Ceci est très important parce que cela montre comment le Jogodopao parvient, sans déplacer le corps, à effectuer la défense au même endroit. Nous allons faire une démonstration d'une forme de combat. Cette forme est similaire à ce que les arts martiaux orientaux appellent kata. Nous l'appelons forme. Dans celle que je vais faire, nous simulons un combat contre deux adversaires imaginaires et la manière de le résoudre. Anciennement, dans les combats qui avaient lieu dans les villages ou les petites villes du Portugal, il était typique d'utiliser une chopa, cette pointe de lance que les joueurs de bâton utilisaient quand ils voulaient éliminer un adversaire. Nous montrerons cette forme en utilisant la chopa. Dans les combats réels, on utilisait ce type de bâton avec les deux bouts ferrés. De ce côté, la chopa était dissimulée par cette capsule. De l'autre, elle n'était même pas dissimulée. Nous allons montrer cette forme de combat contre deux adversaires. Thank you.
Nuno va nous montrer une autre forme, mais ici, il simulera un combat contre un seul adversaire. Au Portugal, en plus d'utiliser la forme pour s'entraîner au combat, nous l'utilisons souvent dans le cadre de démonstrations et nous le faisons en musique, le plus souvent avec la musique portugaise. Nous allons ici utiliser une musique qui s'adapte bien à la cadence de cet enchaînement. Voyons ça.
Nous allons montrer maintenant la solution que le jeu de bâton portugais propose comme défense contre plusieurs adversaires. Ici, ils seront seulement deux. L'espace ne permet pas non plus beaucoup plus. Mais ce qui importe, ce sont les détails techniques de cette solution. Ici, l'idée de celui qui est attaqué par plusieurs adversaires n'est pas de tous les frapper, comme on le voit dans les films, car c'est impossible. Les adversaires peuvent être aussi forts que l'attaqué. Et bien que la défense oblige à faire intervenir plus d'adrénaline, plus de concentration et plus d'esprit de survie, cela n'est pas suffisant, car les adversaires auront la même motivation. Ici, l'idée n'est pas de frapper, mais de parvenir à échapper aux attaquants sans être frappé, sans être vraiment attaqué. Nuno se trouve face à deux adversaires qui vont attaquer. On dit souvent que la meilleure défense est une attaque. Et c'est précisément ce que nous allons voir. Il va essayer de passer entre les adversaires en maintenant un angle qui lui permettra de les voir tous les deux, tout en se protégeant avec son bâton qu'il fait tourner. À partir d'ici, suivant la distance à laquelle se trouve l'adversaire et la situation dans laquelle se trouve Nino, nous avons plusieurs solutions. Il pourra également utiliser d'autres solutions. Thank you.
L'autre arme utilisée dans le jeu de bâton portugais est le bâton court. Ce bâton mesure quelque 80 cm. La longueur peut osciller de 50-55 cm à 80 cm. Le bâton utilisé pour l'entraînement est de 80 cm. Nous allons faire trois enchaînements pour montrer la progression. Des enchaînements très simples, avec peu de coups et de défense. Nous allons montrer le premier.
Nous allons maintenant présenter l'aspect compétition du jeu de bâton portugais. Comme vous pouvez imaginer, dans une compétition, il faut frapper. Et pour pouvoir frapper, il faut utiliser des protections, car les bâtons, afin de posséder un minimum de résistance pour la défense et pour l'attaque, doivent être fabriqués dans un matériel résistant. Ces bâtons que vous voyez sont appelés bâtons mousse. Ils sont fabriqués dans un matériel qui permet d'avoir un minimum de puissance dans les attaques et de s'approcher le plus possible du bâton réel. Il est logique qu'il fasse mal. Il est nécessaire dès lors que le corps soit protégé. Comme vous voyez, il y a deux aspects. L'un est le corps, qui est protégé par ses protections, qui pèsent peu et ne donnent pas trop chaud. Le corps est entièrement protégé, car dans le jeu de bâton, on peut frapper partout. L'armure est faite de protections spécifiques pour le jeu de bâton portugais, avec des gants de hockey sur glace et une adaptation du casque d'escrime. Les bâtons également sont protégés avec du caoutchouc mousse, d'où le nom de bâton mousse. Ils sont légèrement plus courts que les bâtons normaux, quelques 10 cm plus courts. La compétition se déroule de la manière suivante. On réalise un cercle de 8 mètres de diamètre, ce qu'en ce moment, dans le studio d'enregistrement, nous allons imaginer, étant donné l'espace réduit. Le joueur qui sort de ce cercle perd des points. Le but du combat est d'obtenir un maximum de points en 3 rounds d'une minute. Au terme du troisième round, le joueur qui a un minimum de 2 points de plus que son adversaire gagne le combat. Il y a d'autres règles, mais ce n'est pas le lieu ni le moment de les présenter. Nous nous sommes donc limités à présenter ces règles de base. En ce qui concerne le bâton, il faut frapper avec les parties rouges. Si on frappe avec cette partie centrale, ça ne compte pas. Cela pour obliger à maintenir la distance. Guarda. Pronto. Já. Oh. Ponto para o jogador da direita. Pronto. Oh. Os lugares. Pronto. Nous avons terminé cette petite démonstration du jeu de bâton portugais. J'espère que cette première approche vous a plu. Je voudrais en profiter pour remercier Budo International de l'opportunité qu'il nous a donnée de venir montrer cette technique portugaise encore peu connue dans le monde.
J'aimerais également remercier pour sa collaboration mon ami, le maître Jean-Louis Brinker. Créateur du bâton de combat et self-défense, qu'il enseigne à Toulouse, en France, où il est en outre le représentant du jeu de bâton portugais. Sa technique est une technique jumelle de la technique portugaise, car dans son bâton de combat et self-défense, il a inclus de nombreuses techniques du jeu de bâton portugais. J'aimerais dire à tous ceux que cela intéresse, qu'ils sont invités au stage que nous organisons au Portugal et que nos compétitions leur sont également ouvertes, que nous sommes disposés à combattre contre n'importe quelle technique. J'aimerais également remercier tous ceux qui ont collaboré avec nous. À bientôt. Merci.